say, you should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester les tags NFT de chez Sweetboat. Pour utiliser ce tag, il vous faut des produits de chez Sweetboat comme la poule, la caméra, le détecteur de mouvement, le capteur de température, le robot de rideau, etc. Donc les produits de chez Sweetboat. Et il vous faut aussi obligatoirement un téléphone avec la fonction NFC. Le NFC, c'est l'abréviation de Near Field Communication, la communication, hein, que je vais traduire moi, la communication par proximité. C'est utilisé pour le paiement sans contact. Hein, sur chacune de vos cartes de banque, il y a une puce NFC. Le tag ici qui représente, donc ça représente tout simplement, vous voyez, hein, c'est juste une petite place. Une petite pastille ici en plastique, ça a la taille d'une pièce de 2 €. Ils ont mis ici un autocollant 3M pour qu'on puisse le coller n'importe où. Pour l'ampoule, on peut allumer et éteindre. Pour la caméra, on peut afficher directement la caméra ou désactiver les notifications. Pour les détecteurs de mouvement, on va pouvoir afficher l'état de l'appareil, s'il y a eu un mouvement ou non. Avec le robot de rideau, on peut ouvrir et fermer ces rideaux. C'est surtout un système de raccourci pour éviter de chercher sur l'application. Allez, passons à ma conclusion. Le tag de chez Sweetboat, j'ai aimé parce qu'on pouvait créer certaines scènes. Donc je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Mais j'étais été déçu sur un certain point. On va le voir ensemble. Donc on va sur scène. Je clique sur le plus. Je vais faire ajouter une condition. Donc vous avez NFC trigger. Je fais NFC trigger. Donc je vais mettre sur go it et là je vais scanner. Donc pas besoin de toucher le tag. Hein. Je me mets juste au-dessus, hein, comme une carte de banque. Voilà, je ne bouge plus. Et là, l'écriture a été faite avec succès. Donc, si vous bougez, vous allez risquer d'avoir des erreurs, etc. Donc, il faut prendre un peu son temps de bien scanner, que ça, le NFC se fasse bien l'écriture. Donc là, je peux renommer le tag. Je vais laisser comme ça parce que c'est juste un système de test. Je peux donner un nom à la scène. Donc moi je vais mettre juste test, hein, puisque je ne vais pas valider ce que je vais faire ici. Et on peut ajouter une action. Je vais faire ajouter une action. Et moi ce que j'ai remarqué tout de suite, et ce qui m'a embêté, c'est qu'au niveau domotique ce tag sera parfait, mais au niveau sécurité, y a un petit manquement. Donc là on voit qu'on ne retrouve pas le détecteur de mouvement. Donc moi j'aurais aimé que quand je quitte ma maison, j'active toutes les notifications. Et quand je rentre chez moi, je désactive toutes les notifications. Malheureusement, je ne peux pas le faire avec le tag, puisque il n'y a même pas l'option du détecteur de mouvement dans les options. Donc je peux, avec la caméra, faire plein de choses. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien qu'ils ont rajouté. Donc si je possède que la caméra, ça sera utile. Donc je peux désactiver au niveau des mouvements, hein, puisque la caméra de chez Sweetboat a un détecteur de mouvement. Donc je peux l'activer ou désactiver. Je peux mettre le mode privé, hein, c'est toujours allumé et éteindre, hein, vous allez voir. Voilà. La zone de surveillance, je peux activer et désactiver. Et je peux activer et désactiver les enregistrements. Donc ça c'est top. Donc au niveau de la caméra, donc c'est parfait. Donc si je quitte ma maison, je scanne, voilà, je peux activer la caméra ou la désactiver quand je rentre chez moi. Donc ça c'est très très bien. Au niveau des ampoules, donc on peut créer une scène allumée et éteindre, on peut le faire directement sur l'ampoule, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple, je vais vous montrer. Donc je vais rajouter, par exemple, ouvrir le rideau, je rajoute, je peux demander. Donc d'allumer la caméra, on va faire caméra mode détecté, donc privacy mode, ok, zone de surveillance, enregistrement sur carte SD, mouvement détecté. Donc je vais mettre, voilà, donc enregistrement sur carte micro SD. Je vais rajouter par exemple
Donc là, je peux faire décider de la luminosité de l'ampoule. Mais si je fais on-off, donc je peux décider qu'elle soit éteinte ou allumée. Si vous avez le mode toggle, donc c'est juste le mode on-off, donc vous n'avez pas le choix. Donc si vous scannez, ben, ce soit soit allumé. Et si vous rescannez, ce sera éteindre. Là, je peux décider donc, hop, de demander de simplement éteindre. Et je peux tester la scène si je le souhaite. Voilà, donc on peut rajouter plein de choses. Malheureusement, si je veux faire au niveau sécurité, bah, comme je vous l'ai dit, bah, je ne peux pas rajouter mon détecteur de mouvement. Et ça, je trouve ça, c'est un point. Donc, j'ai pas encore testé le capteur de porte. Donc, je ne sais pas si c'est le même cas pour le capteur de porte. Donc, ça, on le verra dans ma vidéo test du capteur de porte. Mais au niveau du tag, bah, il lui manque ce petit aspect-là pour mon détecteur de mouvement. Tout ce qu'on peut faire avec le détecteur de mouvement, je vais vous montrer. Donc, le temps que ça se connecte. Donc, il y a un petit temps de connexion. Hein. Donc, voilà, NFC. Donc, on peut juste afficher l'état avec le détecteur de mouvement. Sinon, au niveau du tag, donc ça peut, c'est utile si on veut se faciliter la vie au niveau de la domotique. Donc je rentre chez moi, donc je vais dans mon salon, je scanne le tag, ça allume la télé, ça allume, ça ferme le rideau par exemple. Il manque encore des éléments de chez Sweetbot pour avoir une domotique vraiment optimale et parfaite. Donc si vous avez encore des questions sur le tag NFC de chez Sudbo, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je réponds à toutes les questions. N'hésitez vraiment pas, ça me fait plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, moi, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dimbodorwan. But no, go hard, but no, it's pop, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch.